Bonjour, bonjour nos abonnés, bonjour nos amis, bonjour nos connaissances, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, nous aussi Dieu nous fait grâce. Ça va aussi par la grâce du Tout-Puissant. Abonnez-vous et abonnez-vous encore, abonnez-vous massivement sur la chaîne Étoiline Inès TV. Abonnez-vous, partagez, commentez, partagez, abonnez-vous et surtout abonnez-vous massivement. Abonnez-vous et abonnez-vous. Comme vous le savez, je suis de retour. Aujourd'hui, je vais parler sur le 7. 7, je dis bien 7 raisons qui rendent un homme heureux. Je sais qu'il y a plusieurs raisons. Mais je parlerai aujourd'hui sur les 7 raisons selon mon expérience des mariages. Première raison, louez-les en franc. Autrement dit, appréciez-les. Chère maman, comme vous le savez, hein, toi et puis ça n'a une vérité, toi le bah vérité, hein? Moi bah vérité mon boy ça l'aura moi bien, hein? Maman, toi apprécies quand mi balé na bisou, toi apprécies quand bah effort na bango, après nous apprécions leurs efforts, hein? Chère maman, toi ça l'aura peu reconnaissante envers mi balé na bisou, bah balé bisou, bah pessimbon wali bala, bah pessimbon wali bala. Bah dollars, hein? Soyons vraiment reconnaissantes envers nos maris. Toi apprécies kabango, chère maman. Et ça la bango moi bien, hein? Un mot boyka olubi et chérie, hein? Tu sais, je suis très heureuse. Je suis très heureuse d'avoir un mari comme toi. Bah moana et ça la bango moi gumoro boy, hein? Et ça la bango moi bien. Apprenons, chère maman, à apprécier nos maris. Apprécions-les. Hein? Les maris qui nous ont épousés. Les maris qui ont dépensé beaucoup d'argent pour nous payer la dot. Les maris qui nous ont honorés. Les lobazo bengabiso basia libala. Parce que mon bali aye ko bala yo. Mon bali na yo. A bali yo. A fouti mbongo libala. Avant d'ici on a ndako à libala lelo bazo benga yo madame Intel, madame Boteloua, Irsil Boteloua, madame Kalala, madame NM. Apprenons à apprécier surtout nos maris. Apprécions nos maris. Deuxième raison, surprenez-les, chère maman, hein? Comme vous le savez, apprenons surtout à surprendre nos maris. Moi, ma surprise, mon boy, ça l'aura bien. Hein? Pas seulement le jour de son anniversaire. Un jour seulement comme ça, tu te réveilles, tu te dis non, j'ai quelques sommes d'argent. Na kende, au sommet là, t'as moi sapato. T'as moi zondi quand on sala. Allez au pessier, papa. Est-ce que ça pas toi ça bien olingi ango ça fait vraiment du bien moi surprise hein surprise ça ka ko somba te biloko te tu peux faire même des surprises de la cuisine tu prépares quelque chose là de bien son repas préféré hein olambi ango penza kitoko olambi 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 quand il sera là de retour au travail et puis okay, papa, c'est ta nourriture. Hein? Ça lui fera vraiment du bien. Apprenons surtout à surprendre nos maris. Et mon boy, na musala ka boy, pap, o le tikuna. O tindi le message ou bien o bengi, papa nazali banale, ni na mouna yo kaka. Na mouna ka elongi na yo. Hein? Ata so kyo zan attente, peut-être na musala moyen bimani bande zate. Ata mo appel vidéo er mo boy kako lati na yo sexy na chambre na yo o sale ka appel vidéo hein moi surprise wana
échanger pe atmosphère à msala ta ceux qui azaki na ba stress na msala ka appel na yo na moi surprise appel papa a changé mood na yé komi bien hein. Apprenons à surprendre surtout nos maris. Trop de surprises, ça fait aussi du bien. Arrêtons d'être des égoïstes. Hein? Bioté, il faut pas qu'on soit fan chiaka. Pourquoi pas chier? Hein? Nous devons aussi leur faire des surprises, maman. Ah ah, nous devons. C'est aussi un devoir pour nous maintenant. Moi, bah surprise. Pas seulement et. Hein? Na wè sa boye vous na la mouka ko, moi surprise, moi evi, ou na mfanchia ko papa cadeau, moi evi, moi ya bien, hein? Moi repas, moi evi ya bien, anakouri ako bien na furayi, hein? Bina fanka na bio bien, bina fanka tellement you maungu. S'il vous plaît, maman, s'il vous plaît, ma surprise, surtout ma surprise, il n'est qu'à la cabine, tu te réveilles comme ça le matin, tu dis à ton homme, peut-être il est off du travail, il ne travaille pas. Papa, aujourd'hui, je vais te faire la pédicure, je vais arranger tes ongles, je vais te faire le massage. Hein? Moi, massage, mon boye, au massé, papa, au salut, moi, pédicure, naïe, au salut, moi, manucure, au salut, moi, soin de visage. Ça fait aussi du bien, hein? Mi bali balou, mi bali nga bongo. Mi bali na biso bazane ba bébé. Ce sont nos bébés, nos premiers bébés. Donc, moi, ba surprise, wana tala kaso yoza na mwana na yali boso. Nenyo kengi la ka bébé na yo. Hein? Salango pepa mi bali na yo. Yende bébé na yali boso. Bébé na yo peza. Cher maman, moi, ba surprise, ya du jar. Et ça la moi bien. Bah surprise surtout bah manucure bah pédicure moi cuisine na yo kitoko makasi hein moi biloko ndenge kaka talaka bah sorti moko boye ça la ra bien. Troisième raison, soyez un bon cuisinier. Comme vous le savez hein les mamans, la cuisine fait partie de trois éléments qui maîtrisent un homme. La cuisine. Hein? La cuisine. C'est la troisième raison pour rendre son homme heureux. La cuisine, le maman. Hein? Apprenez à façonner les histoires. Façonner les tricks. Mélanger les tricks. Changer des recettes chaque jour. C'est pas dire que donc yo penza chaque jour ezaka ba recette moko na moko façon là me la rapondo ezaka chaque jour chaque semaine même façon Thompson na yo ka ya okalinga soko ya okalinga te ezaka okalinga o sali sauce maman chou mo susu pe o sali moi pepe soupe chou mo susu pe o sali ba boulette ya Thompson hein ba boulette ba mélange kana maki. Jour mon sous-soupé, au tombi Thompson, hein? Jour mon sous-soupé au zuka Thompson wana, hein? On mélange ango na mbisi ya kokauka. Au zuka Thompson wana façonné ango soki ndenge nini. Donc chaque jour, mon bal na yo azo lia ka ba recette moko. Et loko moko me ezo ya na ba différentes sortes ya kolambango. Hein? Please, cuisine na biso. Au lambi moi et loro moro ya bien on s'est rassuré vraiment sauf que yebité tu as vraiment des doutes pourquoi tu kokota na na ba YouTube aujourd'hui nous voyons il y a des chaînes YouTube qui nous parlent de la cuisine il y a beaucoup de recettes là-bas chaque jour hein comme la chaîne de Chic Food TV Eza Kolia na Kolia hein Irsil Boteloua TV Eza Kolamba na Kolamba. Maman, tu koti kuna, ozo tala ba recette a sika. Etoiline Ines TV, ezana ba recette a sika. O koti, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de recettes. Hein? Que ta cuisine, prépare bien ta cuisine. Ta cuisine surtout. La cuisine. Tu dois être un bon cuisinier, maman. Quatrième raison pour rendre un homme héri. Faites-lui penser que vous avez besoin de lui. Chère maman, hein?
Le maman, je parle bien au maman. Il y a des femmes, hein. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes parce qu'elles travaillent, elles gagnent beaucoup d'argent. Parfois, elles arrivent au niveau même de dire à leur mari que ah, je n'ai pas besoin de toi parce que je travaille, j'ai déjà la vie, j'ai un bon travail, j'ai d'ailleurs touche beaucoup d'argent, alors je n'ai pas besoin d'un homme. Ça, ce n'est pas bien, maman. Même si tu as des millions dans les comptes, même si tu gagnes beaucoup d'argent plus que ton mari. Un jour, tu te réveilles seulement, chérie, hein, est-ce que tu peux m'ajouter même un 10 dollars sur mon argent? Parce que mon argent là est insuffisant. L'argent qu'on me paye là est trop peu. Tu vois, ton argent est toujours. Hein? Le maman. Ba maman et. Ba maman. Toi, tu quoi apprécier, mais ba boiner tout. Hein? Toi, tu vas faire voir, vas faire revivre que pas chaud beau à tout aïchi. Pas chaud beau. Utashinda takuza kikwembe. Pas chaud beau, utashinda takuza kipapa. Hein? Donc, diabo biote. Et qu'on a valeur mounyumba, il faut kouyemo. Même si tu sais que non, je peux changer la chaîne ici. Tu sais utiliser la télécommande. Tu sais tout, tout. Mais un moment, un certain moment, appelle ton mari, chérie. Est-ce que tu peux m'aider avec la télécommande ici? C'est comme si ça ne fonctionne pas. Pour qu'il se rassure que non, je suis important dans la vie de ma femme. Hein? Parfois, il peut même te dire, ah, toi-même la télécommande ici, au lieu de changer seulement des piles, il faut que tu m'appelles. Hé, chérie, tu sais, Michibiyou, je n'arrive pas à faire ça. Hein? Raison pour laquelle il faut que tu sois là pour m'aider. Si tu n'étais pas là, peut-être je n'allais pas regarder la télé toute la journée. Des histoires pareilles, ça rend les hommes errés. Hein? Ça le rend vraiment errés, maman. Tu t'assois comme ça, tu dis, ah, chérie, est-ce que tu peux fermer mon sandal ici? Je n'arrive pas à fermer. Même s'il va se plaindre, ah, toi aussi, tu viens même me donner du travail, mais dans son cœur, il est content parce que tu viens de les considérer. Hein? Chère maman, apprenons à faire aussi ça. C'est vraiment important. Cinquième raison pour rendre son mari heureux. Cinquième raison, soutenez-le quand il est en bas sans le critiquer. Chère maman, prions pour nos maris. Encourageons-les. Hein? Tous à la maman wana, ceux qui mobile a yé na stress nanda, comme mobile a zo stressé. Peut-être mon sala est sili. Oza la côté na ye pour na ko encourager à kaye. Pour na ko soutenir à kaye. Pour na ko pesa kaye ba parole wana et ko pesa ye makasi. Ko critique à mobile na yote. Il y a des femmes qui aiment vraiment leur mari quand les maris travaillent. Hein? Quand ils comprennent que non, mon mari il travaille, là, elle est amoureuse de son mari. Mais quand le mari vient de perdre du travail, quand le mari ne travaille pas, quand le mari manque d'argent, vous allez voir des femmes qui commencent même à critiquer leur mari. Ne critiquez pas, maman. Vous critiquez mon bali na yote. Aza mon bali na yo. Ceux qui osent critiquer mon bali na yo, osent me critiquer yo moko. Aza papa ya bana na yo. Ceux qui critiquent yé maman, osent critiquer yé na ba réseaux sociaux. Ozo critiquer na ba famille na yo, ozo critiquer na ba camarade na yo, ozo expose a kaye. Maman ko sala bongo te. Hein? Ozo mi critiquer pe yo moko, ko sala bongo te. Ceux qui mobali na yo azo passa kaye, passe tes moments difficiles. Tu dois être là, maman, pour encourager ton mari. Tu dois être là, en train d'intercéder pour lui, prier pour lui surtout. L'encourager, prier. Être surtout à ses côtés. Les hommes aiment ça. Hein? Surtout quand ils passent des moments-là très difficiles. Seulement, c'est surtout quand ils traversent des moments-là très difficiles, maman. Les hommes aiment être à côté de leur femme. Toi, encourage à Kanibali Nabiso. Toi, bon de la capona bango. Tu dis, Seigneur, sois avec mon mari, donne-lui la force. Car sans toi, Seigneur, il ne peut rien faire, il ne peut rien. Hein? Toi, encourage à Mibali Nabiso, chère maman.
to bonde la kapona bango, to kritika kabango te, to expose kabango te. So ki o expose mo bali na yo, wana o expose pe ndako na yo, o mi expose yo moko pe o expose pe bana na yo.